toi, le travail, c'est avant tout un moyen de gagner de l'argent, avant tout un lieu d'épanouissement personnel. Enfin, tu ne peux pas répondre à la deuxième sans penser à la première. C'est celui qui dit ça est un menteur. Pendant ma période un peu difficile, c'était un moyen de gagner de l'argent. Donc c'est vrai que j'ai travaillé en entrepôt où concrètement, c'était pas du tout un lieu d'épanouissement personnel. Ou au contraire. Et que là, c'était un moyen de gagner de l'argent. Aujourd'hui, oui, ça me permet de gagner de l'argent. Et en même temps, j'adore ce que je fais. Bah, c'est l'épanouissement personnel. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps à travailler qu'à être en famille. Alors, autant avoir un boulot qu'on kiffe, hein, parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. Ouais, mais on sait qu'il y a 70% des gens. Mais il y a 70% des gens pour qui c'est avant tout un moyen de gagner de l'argent. Donc, pour moi, ça le sera d'ailleurs. Enfin, ouais. C'est sûr, de toute manière. Non, faut réussir à trouver le bon compromis, quoi. Ouais, ouais. Après, le truc, c'est que. Ouais, je me suis lancé dans des études à 18 ans. Je savais pas trop, quoi. Après, j'ai pas changé. Donc, maintenant, c'est plus un moyen de gagner de l'argent, quoi. C'est même que ça, quoi. Ce sera un travail alimentaire, c'est sûr. Un peu pessimiste, quoi. Quand j'étais en stage, j'ai fait comme tous les stagiaires. J'allais dans un bureau, je faisais mon travail, je repartais le soir pour 400 euros par mois. C'était pas un épanouissement fou. Dans le cadre de ton travail, tu te sens respecté? Donc pareil, soutenu, heureux, méprisé, seul, en souffrance, respecté. Oui, heureux. Ouais, moi je suis heureux au travail. Très heureux de m'occuper des gamins. Dans le cadre de ton chômage, comment tu te sens? Je me sens heureuse. Non. Ouais, heureux, respecté aussi. Alors, comme en ce moment je suis sans travail, c'est un peu compliqué. Mais à l'époque où j'étais au travail, j'étais à la fois en souffrance parce que je n'aimais pas mon travail ni les conditions de travail dans lesquelles j'étais. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc j'étais en souffrance. C'est pour ça que je suis partie. On va dire là, c'est une période non. Je suis pas très heureux. J'ai bien envie de changer là. Après, soutenu, ouais, je suis bien soutenu. Évoluer, peut-être. Pas évoluer spécialement, moi, je m'en fous des postes de responsable. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'en ai fait, c'est pas spécialement ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, c'est travailler dans le fond avec les jeunes ou des familles. Ouais. Faire des vrais trucs qui marquent, quoi. Un peu ce qu'on fait chez nous, là, ouais, avec la GPR. Pas être dans la conso. Ouais. Moi, je me cherche, donc je dirais... je sais pas. Je dirais ouais, heureuse, voilà, parce que je travaille et seule, en fait, je sais pas où je vais. Donc, voilà. Dans le cadre de mon travail aujourd'hui, et bon, c'est que le début, ça fait que 7 mois, je suis soutenue, je suis très heureuse, très épanouie, j'ai une place à me faire que je me fais au quotidien et rien n'est dû, il n'y a pas d'acquis, donc... A priori, j'y travaille, mais je me sens beaucoup plus à l'aise que dans le cours de ma scolarité, c'est certain. Aujourd'hui, dans ton travail, tu te sens épanoui? Moi, 5. 0 à 5. Moi, tu 5, mets 5, toi? Ouais. Moi, je sais pas, je taffe pas en ce moment, mais... ouais, quand je taffe, je suis content de bosser, ouais. J'aime bien bosser. J'aime bien bosser la semaine, avoir les week-ends et tout, c'est sympa. Oui, 5. Je suis épanouie. Il manque plus que la titularisation, donc le concours, et ça sera parfait. Ouais, bon, je suis au chômage depuis pas longtemps, mais on va dire dans mon travail, ouais, j'étais épanouie à 4 sur 5. Je veux dire pareil, parce que c'était mon objectif de travailler là où je travaille, donc je suis très contente. Moi, je dirais 5 quand j'avais mon CDD. Aujourd'hui, on n'a pas de travail. On n'a pas de travail, donc je zéro. Je me sens tout à fait épanouie. Il y a quoi qui te pose cette question, hein? Dans le dernier travail dans lequel j'étais, non, pas du tout. Bon, bah moi, pas du tout, hein. Arranger ma chambre, ça je passe. Suis bien dans votre oh, moi, 2. Moi, j'ai envie de changer. Moi, j'ai pas de taf. Aujourd'hui, dirais-tu que ton travail est à la hauteur de tes qualifications? Plutôt pas, quand même. Très bien dit, plutôt pas, non. Eh ben, vu que je n'ai juste que le baccalauréat, je pense que oui, c'est un travail à la hauteur de la qualification. Je dirais même que je ne suis pas assez compétente pour mon travail parce que je suis jeune et inexpérimentée. Dirais-tu que ton travail est à la hauteur de tes qualifications? Non. Non. Non, je me fais carotte. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai pas de taf. C'est toujours pour toi. Moi, je dirais 1.
Même parce que par rapport à ce que je sais faire au niveau du dessin, du moins artistiquement, je pourrais peut-être m'en servir parce qu'avec les enfants on peut faire des ateliers d'art, on peut faire tout ce que. Mais artistiquement, mais pour l'instant j'ai pas assez de. Ils me laissent pas assez faire de ce que j'ai envie moi, quoi. Je suis pas encore assez. Pour eux, je suis que vacataire, je suis que remplaçant, donc je peux pas faire tout ce que j'ai envie. Donc je dirais un. Bah, vu que je fais de l'animation en centre de loisirs pour des gamins un peu chiant, il faut le dire. Alors qu'à côté, je fais un master 2 de communication politique, le décalage est assez impressionnant. Aujourd'hui, penses-tu que tu es payé à la hauteur de tes qualifications? Non, je me suis fait carotte. Non, moi aussi. Non, pour le coup, non. c'est pas très bien payé. Je suis déjà assez contente d'être payée pour quelque chose qui me plaît, en fait. Bon, c'est un sketch au travail, je passe ma vie à délire avec les gamins. Donc je suis plus que payée pour ce qu'ils me demandent, quoi. Je vais voir les copains. Et toi? Non, moi, je sais pas, je... On passe? Ouais. Non, c'est absolument rien. Difficile de jauger ses qualités, ses qualifications. Je suis obligé de répondre. Je ne suis pas payée à la hauteur de mes qualifications puisque je ne qualifie pas et que je suis pas payée. Je peux zapper? Aujourd'hui, quelle importance a le travail dans ta vie? Donc, c'est de 0 à 5, pardon. De aucune à beaucoup. Je dirais 5. En même temps, je suis en fin d'études, donc techniquement, on ne pense qu'à travailler. Je passe beaucoup de temps, je m'investis beaucoup, je réfléchis en fonction des élèves. Je me demande est-ce que ça leur plaira ou est-ce que cette façon de faire les choses, ça leur conviendra. Après, j'espère que j'arriverai à genre 2-3 plus tard et que j'aurai une vie sociale et ce genre de truc. Et en même temps, c'est pas toute ma vie parce que je me sers beaucoup de ce que je fais à côté. Ça m'enrichit et ça me sert beaucoup dans mon travail. Pour l'instant, c'est rien dans ma vie, quoi. Bah, y a pas que ça, en fait. Ah oui, c'est en fait, c'est on sûr. Peut travailler sans. Enfin, on peut vivre sans forcément travailler, mais bon, après, faut. Bon. Faut avoir d'autres techniques, quoi, mais c'est faisable. C'est faisable. On peut travailler pas trop en France, quand même. Moi, je suis plus, France, un adepte de pas trop travailler, quoi. Mon travail prend une place outrageante dans ma vie. Voilà. As-tu l'impression que dans ton travail, tes efforts sont récompensés? Eh ben, j'en sais rien pour le moment. J'ai eu des bons retours, alors du coup, je suis contente. Mais on le saura quand j'aurai monté, mixé, tout ça. Et que ça passera dans un festival et que les gens, ils applaudiront ou ils feront au film. Tu fais des efforts, toi, au travail? C'est fort, au travail. Non, je fais pas vraiment d'efforts, au travail. Enfin, je demande ce qu'on... Non, je sais pas quoi répondre, là. Pourrais-tu être heureux sans travailler? Non. Non. Impossible. À part si tu serais riche, hein, peut-être. En vrai, si t'es riche, ouais, mais là, non. Non, je peux pas être heureux sans travailler. Non, ça, je pense pas. J'ai expérimenté, c'est pas pour moi. J'aime pas ça du tout. En plus, je culpabilise un max. Tu peux être femme au foyer? Ouais. Oui, bon, alors, ouais. Ah, tu vois, on t'a piégé. Ouais, c'est bien. Bah non, mais... Moi, je viens d'une famille où ma mère était à la maison... Et très franchement, quand je vois la vie qu'elle a eue, ça me déplairait pas, quoi. La gym deux fois par semaine, pouvoir prendre ton mercredi pour amener ta gamine machin, faire tes cafés avec les voisines et copines deux fois par semaine, aller faire un coup de bénévolat par-ci, un coup de bénévolat par-là. Je sais pas, c'était... Je crois que c'était plutôt cool, ouais. Je peux être heureuse sans amour, mais le travail, c'est ça qui fait que je m'épanouis, quoi. Si je suis pas heureuse là-dedans, je suis pas heureuse tout court. Non, non plus. Enfin, ouais, mais tu non, rigoles. Mais si, ça peut. Mais grave. Il faut avoir des projets. Non, mais alors, si t'as de l'argent et que t'as besoin de travailler, ça peut être. Ouais, tu mais vois, t'es obligé d'avoir des projets, faire des trucs. Parce que sinon, mais tu projettes de voyager, de te construire un jacuzzi. Oui, bah oui, je pense qu'on peut faire d'autres choses, mais il faut avoir beaucoup d'argent dans ce cas-là. Parce que sinon, c'est difficile. Non mais imagine si t'avais de l'argent, tu préférerais ne pas travailler ou il faudrait que tu travailles? Bah tout dépend de l'argent que j'ai. Ouais. Bon, moi je serais très bien heureux sans travailler, mais j'avoue que si j'ai de l'argent assez pour vivre tout au long de ma vie, là je travaillerais pas. Ouais, donc c'est ça, c'est plutôt ça en fait la question. Ah mais moi c'est l'argent, c'est question c'est d'argent. Juste, c'est juste l'argent, c'est pas le fait d'être inactif. Ah ouais. Ok. D'accord, moi, avançons. Tu projettes de te faire une cave à vin, tu projettes de tout, tu projettes... des projets, oui, c'est presque fatigant de projet, tellement t'as de projets quand tu travailles pas. Mais il faut des projets, tu peux pas rien faire comme ça. Non mais t'es pas oisif, tu cherches à kiffer. Ouais. C'est comment organiser ton kiff. Ouais.
Ça, c'est le meilleur des travails. Ok. Ouais, la question, c'est travailler pour quoi ? Oui, c'est ça. C'est un travail rémunéré dans une activité marchande, etc. Pas forcément. Mais. Ouais, c'est une raison de vivre quand même, le travail.